ce deuxième tome, hein, Les aventures de Marcus Tiberius Alexander, un fauve dans Rome, peut se lire de façon complètement indépendante du premier. J'y représente mon personnage, qui est un personnage récurrent d'enquêteur, Marcus Tiberius Alexander. Donc Marcus, en fait, est né à Alexandrie dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Il a 10 ans lors d'un événement terrible à Alexandrie, ce qu'on pourrait appeler en 38 un pogrom, donc il est né vers 28, et il va fuir Alexandrie après de nombreuses aventures. Il va fuir Alexandrie pour devenir vigile à Rome. Donc les vigiles, ce sont les gens qui sont chargés de la sécurité la nuit à Rome et aussi de la prévention incendie. Donc c'est l'empereur Auguste qui s'est rendu compte qu'il y avait besoin de cohortes internes de soldats dans la ville. Et donc Marcus est un vigile et c'est lui qui mène des enquêtes. Donc il était pris de vérité, il était pris de justice, donc c'est un stoïcien entre autres. Et puis dans le tome là qui nous concerne, Un fauve dans Rome, Marcus va s'occuper de disparitions d'enfants, tous blonds, tous relativement de naissance libre. Et le problème, c'est que ça va le mener dans des endroits risqués, au moment même où le grand incendie de Rome de 64, donc on est en 64, dans ce deuxième tome, va se déclencher. Il y a une espèce de dichotomie, hein. On a un personnage qui pense incarner le souverain bien, le bien, et un autre personnage qui se pensent comme incarnant le mal, mais les deux ont leur raison. Et ces deux personnages, en fait, il y a comme une espèce de course-poursuite qui se fait entre eux. Ils vont toujours se croiser. Et le fait est que Lucius Cornelius Lupus, hein, donc c'est un loup, s'avère être le frère adoptif de Marcus. Parce qu'à Rome, tout le monde peut adopter qui on veut. Il s'avère qu'avant de mourir, le père de Lucius, qui n'était pas satisfait de son fils, qui n'était pas satisfait de la mentalité de son fils. Lucius a un goût pour le jeu, il est très endetté, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de plaisirs de plus en plus violents, quelqu'un qui va devenir un familier de Néron. Donc Cornelius, le père de Lupus, s'éprend de Marcus, en fait. Il a envie d'avoir Marcus pour fils. Ce qui fait que Marcus devient le fils adoptif, dans le testament, le fils adoptif de Cornelius, post-mortem. Et donc il y a une espèce d'affrontement entre deux frères ennemis. Et bien entendu, Marcus est toujours guidé vers l'entourage de son frère ennemi, de Lucius, à chaque fois que le mal est commis. Lucius prend Néron pour modèle, hein, il est fasciné. Néron est entouré d'une cour de gens qui sont pas tant de la noblesse, hein, Lucius est noble, mais d'une cour d'affranchis. Néron a besoin de jouir de la vie, donc c'est un hédoniste. Il cherche toujours de nouvelles distractions. Donc le fauve, c'est Lucius, c'est Néron, mais c'est aussi l'incendie. Donc on est dans une succession de personnages qui sont un peu effrayants. Mais Néron n'est pas que effrayant, ce n'est pas qu'un fauve. C'est ce que en racontant cette histoire, on comprend bien que le personnage de Néron, que Néron a écopé d'une mauvaise publicité. Il n'a aucun intérêt en vérité à mettre le feu à Rome. Donc on comprend comment une théorie du complot se met en place et comment il y répond. L'histoire nous permet de comprendre notre époque et notamment l'histoire antique. Paradoxalement, notre époque est infiniment plus proche de l'Antiquité que qu'elle ne peut l'être d'autres périodes de l'histoire de France ou de l'histoire européenne. Pourquoi proche de l'Antiquité? Parce que l'Antiquité a pensé le politique. Et que notre époque donc pense le politique de la même façon que le pense l'Antiquité. Et d'autre part, j'avais envie d'explorer le statut des enfants. Donc le statut des enfants actuellement, quand j'ai commencé, je n'ai pas eu l'impression de vouloir faire écho à quelque chose d'actuel. Simplement, quand vous vous intéressez à l'histoire, et quand vous vous intéressez au statut des enfants à Rome, vous tombez. Hein, ça fait écho au statut des enfants actuels. En fait, l'enfant, c'est celui qui n'a pas voix au chapitre. L'infants, celui qui ne peut pas parler. Fari, en latin, ça veut dire parler. L'infants, c'est celui à qui on n'accorde pas la parole. Donc, traditionnellement, l'enfant, il ne peut pas parler. Hein, on l'a fait parler à partir de Freud, mais avant, il ne pouvait pas parler. Donc, c'est un être qu'on doit protéger et qui est d'autant plus exposé à notre époque et puis à l'époque romaine, puisque sous les Romains, c'est très facile de transformer les gens en objets, vu que la société a pour mode de fonctionnement l'esclavagisme. Donc c'est facile de transformer les gens en objets, et donc les enfants en objets.
Mais cela dit, une société esclavagiste n'est pas forcément une société immorale. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le roman.